Yep, là, et bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Yep, là, c'est Spiros, salut les crimes. Alors, au programme ce soir, donc découverte de Momonga Pitball Adventures, donc un jeu de flipper avec un écureuil volant, et oui, messieurs. Donc, c'est un jeu adapté de mobile, hein. Il était déjà sorti sur mobile avant. Ça peut être des jeux de hippie. Ah, tu dis ça parce qu'il y a 2-3 animaux qui ont l'air cool. D'ailleurs, je pense que vraiment, voilà, que les options vont être. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, d'accord, c'est que c'est les crédits. Ok, très bien. Ta, succès. C'est quoi les succès? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Finissez l'histoire, obtenir 3 étoiles, nanana. Bon, on verra ça plus tard. Des classements en ligne? Il y a Palazzo. Il y a des classements en ligne, effectivement. Ouais, go, c'est parti. On va se mettre l'intro. Hein. On se fait chasser par des hiboux. Par des hiboux samouraïs. Yo, chapatate, comment ça? C'est vous que vous êtes formidable. Ah, ça c'est classe, ça j'aime bien ce genre d'information. Moi, ce qui est un peu con, c'est que l'écureuil volant il sourit alors que c'est horrible quoi. Momo, fils de Rogo, classe. Ok, c'est parti. Tu vois les classements, quand Yesterday a joué hier, il y avait 7 entrées. Ah, c'est dur quoi. Savez-vous, comment allez-vous par ici? Bah écoute, moi ça va bien, nickel. Mensonge, malade. De quoi mensonge? Je vomis des arcs-en-ciel. Classe. Allez, c'est parti. Votre score augmente de façon permanente pour ce niveau. J'ai rien compris à ok. Premier défi consiste à terminer le niveau. Ok. Ok. Alors. D'accord, mon cas avec Christine Coach, ouais. Ah non, c'est avec les. Oh la misère! Ok. Ok, donc là en fait on peut pas tirer vers la gauche. Ah ouais ça. Mais là vous voyez je peux pas tirer vers l'arrière en fait, je suis obligé de passer par là. Bon par contre ça bloque la boule facilement quoi. Donc a priori ça le principe, hein. Chaque niveau est une succession de mini. Ah non j'ai raté plein d'étoiles, je suis dégoûté. Tous les blocs du niveau, ok, ouais. Ok. Ah, c'est vous que vous êtes formidable, c'est un mensonge. Ouais, je suis formidable, moi. Ouais, toi, t'es dur, il y a plus d'entrées quand même. Regarde, regarde, oh, ouais, il y a plein d'entrées. Bon, il y en a qui sont à zéro, mais. Un peu chaud pour eux, ouais. Il y a 8 niveaux, je crois. Ah, mais il y a que 8 niveaux? Non. Ouais. 9, quoi.
9 plus des arènes apparemment qui sont, je sais pas trop quoi. On va voir, on va continuer tranquillement de toute façon. Ok, c'est le premier niveau. Quoi si c'est terminé le niveau. Ok, bon, c'est toujours le. Ok. Ah, je peux pas les taper par l'arrière en fait. Ok. Merde. C'est quoi, touche? Bravo. Hop, on passe à gauche. Merde, complètement raté. Oh la misère. Allez, bim. On enchaîne. Ah, mais d'accord, le. Ok. Oula. Ok. On va prendre la. Merde, je voulais prendre la l'étoile. Raté. Bon, la physique, elle est pas folle quand même. Hein. Je vous avoue que. Ouais, on peut pas tirer vers l'arrière, ça c'est. C'est un. Merde, raté. Ok. Raté. L'heure qui est très chouette, il y a Roller of the Realm. Ah, je connais pas. Ah, voilà, donc là j'ai mon écureuil volant, je peux faire des trucs incroyables avec. Merde. J'essaie de prendre des screenshots en même temps. Ah ok, c'était la fin. Très bien. Ah mais je les ai pas eu toutes les étoiles en vol, écoutez. Bah en flipper, il y a Pinball FX2 hein, qui est vraiment génial. Hein. Allez, c'est parti. Hop là. Et je peux le renvoyer à gauche, la bestiole? Oh là là. Ah mince, c'était pas ça du tout que je voulais faire, c'est pas grave. Il y avait plein d'étoiles à récupérer à droite en fait. Faut que je lui quiche la tête à Jean-Michel. Ah non, faut que je vise son bâton en bambou en fait, d'accord. Et là, on peut repasser à droite là? Ah ouais. Merde. Merde, raté. Oula. Faut que je le quiche? Ah, ok. Ah, je l'ai eu là le bâton. Ah! En fait, je peux pas tirer à la verticale, là. C'est un peu relou la physique de la des flippers justement. On va essayer de choper l'étoile. Hein. Ok, donc j'ai eu l'étoile, c'est cool. C'est exactement ce que je voulais faire. Là, par exemple, je peux pas y aller à droite à gauche, quoi.
Ouais, voilà, bravo. Fait, ok. J'ai plus récupéré le machin à la moule qu'en visant, bravo. Mais j'ai pas l'impression qu'il touche pour secouer quoi. Merde! Oh quel con, je touche. Non, j'ai l'impression qu'il y a vraiment que. Il y a vraiment que petite gâchette gauche, petite gâchette droite, et puis c'est tout quoi. C'est vrai qu'on peut pas bourrer le flip, c'est triste quoi. Merde, raté. Dans le genre, il y a des vrais flippers qu'on peut martyriser d'état. J'ai joué il y a pas longtemps. J'étais super content. Ça faisait. Ah bah là, y a, du coup, il y a même plus. Bah d'ailleurs, Seldel, il n'y est même pas là-dedans. Il a fait que deux niveaux celle d'elle ou pourquoi il y est pas là? Bizarre. Et ouais, j'ai joué au flip il y a pas trop longtemps là, j'étais super content. Attack from Mars. Et du coup, c'est un flipper auquel je jouais quand j'étais au lycée. Et du coup, deux parties, deux fois j'ai fait claquer, j'étais content. Si c'est bon. Mes amis lycées n'auront pas servi à rien. Oh là là! Ah, il fait peur que je touche les nuages en fait. Ok. Ça paraît assez évident de pas devoir toucher les nuages. Ah oh, mince, j'ai raté de la pizza là. J'ai re-raté de la pizza. Ça passe. Oh, ça passait complètement là. Ah. Vous avez vu le remake du premier Wonder Boy? Ouais, j'ai vu. Bah y'a celui-là et puis y'a aussi l'autre là fait par les Français là, je sais plus comment il s'appelle là, qui a vraiment des. Qui a tous les Français ici. C'est pour lui de jouer en plastique, ouais ça que le puput, il est un peu bizarre ouais. La licence de Kung Fu Panda c'est ça. Un peu plus loin je crois. Peut-être qu'on peut skip ce niveau, je sais pas. Non je pense pas, toi t'es obligé de les faire, hein. Toi c'est pour faire celui-là. Il faut déverrouiller celui d'avant je crois donc Bon, pour être honnête, je m'attendais à mieux quand même. Merde, oh, j'ai. Oh là là.
Ouais, les étoiles à récupérer à gauche et à droite. Hein. Merde. Vas-y. Voilà, c'est bien ça, on peut faire. Il faut que je fasse des screenshots quand même. Ah là, il y a un truc à activer là. D'accord, du coup, ça a ouvert la porte au milieu. Oula. Ah, mais d'accord, il faut que je l'active et que je reparte vite de l'autre côté. Très bien. Ah là là, ça va te rater ça. Ah l'enfoiré. Ok, d'accord. Mais non, mais. Vas-y, corps à droite, voilà. Hop. Ok, c'est bon. L'angoisse. Milieu il avait commencé. Le chat s'est pas du tout emballé. Oh. Oh. Oh, il y avait une piste secrète à trouver. Je ne comprends pas pourquoi le chat n'était pas emballé. Il avait commencé ici, d'accord. Mais par contre, ça me fait un peu peur, hein, parce que les niveaux, ils durent 5 secondes. Hein, et effectivement, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Après oui, on peut les refaire pour les défis quoi, mais ah non, c'est un flip là-haut en fait, j'ai pas vu. T'as les bruitages, ils sont catastrophiques aussi. Hein. Ah, il y a un interrupteur tout à droite là. Mais je vais essayer quand même d'activer le passage secret là où je sais pas trop ce que c'est. Merde. Ah, tu peux pas faire les 5 DR, t'es obligé de les faire un par un en fait quoi. D'accord. Purée, hein, évidemment. Non! Mais qu'est-ce que j'ai branlé? C'est pas ça que je voulais faire. Ah non, pas de chute dans les oreilles. Hein. Ah. Autre chose, je pense qu'il n'y a qu'une seule musique et elle commence déjà à m'agacer. Voilà. Donc là, ça a dû ouvrir un truc là-haut. Bon après c'est sympa qu'ils aient fait l'effort de mettre des petits trucs pas en bonus mais des petites zones secrètes dans les niveaux. Ah mais il y a des trucs sur les côtés en fait. Alors attendez, là faut que j'aille où là? Ah, je peux péter les trucs sur les côtés en fait. Tu peux me rendre ma balle sinon, merci.
Ah, il y avait une piste secrète. Ah oui, mais là aussi on voit à gauche, c'est fracassé là. Bon, j'ai pas réussi à viser. Ah ouais, c'est de viser. On voit qu'il y a un mur qui est un peu pété à gauche. Voilà. Voilà. Eh merde. Pas que je veux aller tout de suite, c'est pas grave. Voilà. Merde. Enfin, zut. Tut 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 tut. Et hop, une petite dernière pour aller choper les. Oh, je l'ai raté. Ah! Purée. Mais non! Et voilà, j'ai fait un peu. Bravo. GG. Papa. Moi, déjà, les vrais, c'est pas mon truc. Là, ce truc saturé à faire foutre les yeux avec des bruitages progresse 3 ans, je sais pas. J'ai 30 ans et Flipper, j'ai pas le jeu à Thameshack et longtemps, et puis un peu à PinBayFX 2. Caméra qui fait 15 000 mouvements en foutant, ouais. Trouver, ouvrir les pièces secrètes, ouais, c'est ça, ouais. Tu peux même pas les faire en une seule fois, quoi. C'est effectivement complètement l'arnaque, hein. T'allais juste voir le. Qui c'est qui a fait YouTube de mes oreilles, là? Attends, je vais tac. Bah continuer. Alors il y a encore du monde à qui jouer. Bon, je pense quand même que les gens qui ont acheté le jeu, ils ont joué à tous les niveaux quand même. Ou pas. ou pas, ok. Entre espèces d'écureuils volants à travers le monde, ok. Bon, intéressant. Oh là, on a un. Merde. Oh, un multiball. Multiball! What? Ok, j'ai absolument pas compris pourquoi il s'est passé les trucs. Ok. Je peux jouer un moment ou pas? Non? Ok, j'attends. Merde. Ah mais d'accord, mais lui en fait il peut tout péter là. On va tout casser, il restera qu'un tas de cailloux. Qu'est-ce qui... Pourquoi il a arrêté mon petit écureuil là? Allô? Ah, c'est ok, d'accord. Merde. Oula. Oh putain.
Oh non, mais s'il te plaît, quoi, l'angoisse. Allez, on y va. Détruisez 50 blocs. Ah, génial. Ah, il est content notre écureuil, il a trop d'étoiles. C'est vraiment que celle-là, elle est disparue des classements. Bah, je l'ai vu à un moment dans je sais plus quel niveau, mais c'est peut-être reset tous les jours. Ah, ce serait moche quand même, quoi. Là, y a personne, hein. Là, on est d'accord, on est 4. Hein. Oh, peut-être c'est bugué. Hein. Tout simplement. Hein. Oula, faut du pachinko, dis donc. Enfin, c'est du pachinko, mais où je peux un peu jouer quand même. Non, ça. Ouais. Boing, boing. Merde, c'est quoi la touche encore? Ah merde, mais j'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. Ah non, je suis con, j'aurais dû faire ça. On lançait moins fort là pour partir à droite. Présenter son jeu à des familles dans un lieu public. Tu veux t'adapter, check. Ah merde, ouais. Mais t'étais où en fait, Alain? Enfin, ça se passait où le truc? Ah oui, mais d'accord, oui, c'était le niveau bonus, c'est un peu comme le rêve de machin là. Quel jeu, Drifting Lands? Onga ou un grand frère appelé l'écureuil volant géant du. Ah, c'est un peu le temps de dire. Oh, c'est une nouvelle musique ça, non? Ah, c'est une entrée, ça. Ah non, en fait, pas du tout une nouvelle musique, j'ai rien dit. Ah oui, non, c'est complètement la même musique en fait. C'était craquage, quoi. Je pensais qu'il y avait une entrée dans le trou à gauche là. Ah, mais d'accord, on pouvait taper là. Ok.
Ah non, mais... Ouais. Alors là, j'étais un event pour le Nantes Digital Week, d'accord. Ma contribution était plus politique qu'autre chose, j'étais surtout en tant que trésorier. Peut-être l'engagement, je serai la main de Madame la Maire, voilà, c'est cool. J'ai touché Madame le Maire, la classe. La touché, la touché. C'était féerique. Taxobi qui part, on est passé, je peux mourir. Bon, après là, ça parle technique, ça parle de Nantes. Bon, et ben, on arrive vers la fin du jeu. Pardon, c'est nerveux. Ah là là, bah dis donc. Dis donc, dis donc. Voilà. Mais lui maintenant il tire. Pourquoi il tire? T'es un peu relou Jean-Michel, t'es pile devant la cloche. Voilà, bingo. Tiens, on t'avouille. Oh, je l'ai raté. Ah, je l'ai re-raté. C'est quoi la blague sur la fin du jeu? Bah, ça fait une demi-heure que j'ai commencé à jouer, quoi. On arrive déjà vers le niveau, le dernier niveau en fait. Oula! Pousse-toi, faut que j'aille taper la cloche là-haut. Va-t'en. Ok. Ok. Ah, évidemment, c'est l'autre qui est en train de quicher là. Oh, ça l'a pas touché. Je suis dégoûté. Voilà. Oh, l'autre est encore parti quicher celui à droite. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Voilà. Voilà. Oula. Alors, HTTP, rip le stream chez moi, pas que je rate grand chose, mais bon, c'est quoi blablabla, jeu serait-il un peu répétitif? Ah, il est surtout super court en fait, puis bon, il rend pas terrible. Après, c'est l'adaptation dans le jeu mobile, hein, mais... Paris Games Week pour présenter ton jeu, non, pas de Paris Games Week pour nous, les bruitages deviennent fous, tant trop cher parce que c'est en fait un jeu à la con.
cher, c'est en public fou parce qu'on a d'autres choses à faire. Faut rencontrer après c'est faire. Ouais. Alors en fait, vous voyez, pour chaque niveau, pour expliquer vite fait, il y a 5 défis, mais en fait, on peut les faire que un par un, quoi. Voilà. Alors après, effectivement, le jeu il est prévu pour être refait, pour débloquer les défis, mais après, en plus, la physique elle est en... Merde! La physique elle est vraiment pas folle. Ouais. Allez, monte! Merci. En tout cas, il y a une nouvelle musique et ça, c'est pas dommage. Ah mais d'accord, c'est le boss. Ah mais en fait c'est pour ça qu'il y a une nouvelle musique, c'est le boss final quoi. Ah mais il est blindé de points de vie Jean-Michel en fait, j'ai même pas vu. Oh bah en plus si je le rate là. Oh. Il m'a coupé en deux dis donc. Oh, ça l'a pas touché. Voilà. Ah non, ça m'a touché. Oh bah je suis mort. Non. Il y a Brozef comme ça. Oh, t'arrêtes de me quicher la tête, hein? Oh, j'ai raté. Ah non, il m'a écrasé, il lui restait un point de vie, je suis dégoûté. Alors attendez, c'est du coup j'ai raté des trucs. J'ai le temps de placer en délire 1 avant que tu rejoignes sur Battle Raid. Ouais, mais je pense qu'on a sur Battle Raid après. Hein. Tu restes des gros espoirs sur la part Games Week. Les Lucioles qui embêtent le boss sont OP. Ouais.
Indica, plus intéressant pour la relation. Quand faut-il être sectionné indiqué? Non. Ah, mais payer en plus. En tant que je paye plus que 30 boules pour me faire rejeter, surtout avec les sections hors ciel de merde. On va prendre un test, je trouve ça dommage, j'ai ça, un crachant sur la presse, sur le public. Ah, bah, il crache pas en fait, c'est surtout que ça coûte cher en fait, tout simplement. Hein. Je viens de regarder Matrix. Hein. Bah, le premier il est cool, les autres, bon. Ah, je l'ai raté. Voilà. Mais non! Tape dedans, tape dedans, tape de... Merde. Oh non! Quoi? À suivre. Pardon? Pardon? Chaque sphère peut utiliser 20 fois uniquement. Ok, d'accord. Il y a des suites, je suis déçu. Bah oui, il y a Matrix 2, Matrix 3. Les idées en festoche, même si c'est parfois rigolo parce qu'on rencontre des gens bien, c'est moyennement utile. Quoi, tu vas pas acheter le 2? Mais attendez, je vais voir à quoi ça correspond, surtout ce succès-là. Alors, à suivre, c'est fini, c'est l'histoire. Après, ton succès, il y a quoi? Jouer une 500 niveaux? Lâche quand même, ouais. Tuer 100 chouettes, relever 45 défis, ramasser 1000 étoiles, obtenir 3 étoiles sur tous les niveaux, relever 20 défis, frapper 100 cibles d'entraînement, jouer 100 niveaux. Ok. Ouais, donc en fait, ils ont dit à suivre, mais c'est peut-être une traduction ratée en fait, quoi. Faire l'arène. Dans le DLC après la pluie à seulement 6 euros.
Oh, c'est doublé là. Merde, ah, j'ai raté ça. Oula. Merde. Ah. Ah non. Bordel, comme le canard là. Oula, oh, on s'est calme. Pas de mauvaise traduction, d'accord, bon bah. C'est chouette le mot que tu cherches. Voilà, qui est facile. Ah. Oh non! Oh, cette arnaque! Non! Ouf. Ah, je sais pas combien de rounds, mais ça y est, j'en ai marre là.
plaît. Je suis sûr que tu lances un petit crush, tu aurais plus de plaisir. C'est quoi, t'as eu le crush? Ça me dit rien. Ok, moi c'est cool aujourd'hui, là j'ai saisi mes previews de Star Mazer et d'EverSpace, donc bon, je suis à jour. Un jeu de flipper des 90 sur... D'accord, là je connais pas. Non, moi j'étais ultra fan de Pinball Dream et Pinball Fantasy sur Amiga. C'était juste exceptionnel ces flippers. Oh. Ah mais en fait, ça se trouve, c'est peut-être infini tant que j'ai des points de vie finalement, quoi. Mais barrez-vous. Hop, hop, hop. Oh l'angoisse. Oh l'angoisse. Putain. Ok, donc il me reste plus que les deux droites à taper là. Enfin, plus que. Eh merde. Il me reste plus que celui-là, le deuxième portant de la droite là. T'as cette angoisse, le mur qui bougeait là. Allez, on continue, on ne s'arrête pas tellement on s'amuse. Oula. Bim, dans ta mouille. Ah, j'aurais bien aimé prendre les étoiles avant. Tant pis. Je pense que ce soit le TF4 ou une 2. C'est pas impossible en effet. Ah ouais, c'est très rigolo ça aussi. Eh merde. C'est pas du tout angoissant. Tout se passe bien. Tout se passe bien.
Je vais pas bourrer le flip là pour faire remonter la boule, non? Ouais, ok, c'est bon. Oui, très bien, très bien, très bien. Je suis pas dégoûté. C'est exactement ça que je vais faire. Darum. Mais non! Ah, l'enfoiré. Non! Oui, à gauche, voilà, bien. Zoom. Oh non! Non, qu'est-ce que j'ai brûlé? Je suis dégoûté. Faut que je remonte à gauche. Ok, c'est bon. Allez, c'est la vanne. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a la cible? C'est beau cette dévotion, mais complètement. Ah mince. Ah! Zut! Bon bah c'était bien. C'était bien, c'était bien. Détruire tous les blocs dans le niveau. D'autres ont tenu, carrément. T'as vu, finalement, j'ai bien fait tryhard, hein, parce que. Bah, dis donc, elle m'est pas manqué cette musique. Oh. D'accord, en fait c'est ici qu'il faut que je pète tous les blocs, ok d'accord. Ah merde, j'aurais tellement pas dû faire ça. Mais putain. Non. Ah bon là ça va être super dur. Non. Ouais non c'est vraiment pourri en fait. Non mais du coup oui le jeu je pense sur mobile ouais bon ça passe le temps quoi mais là sur PC c'est trop court et je préfère mourir parce que sinon. Ah non, il me la remet à droite quoi. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. Youpi, j'ai le deuxième défi. Maintenant, il faut que je ramasse toutes les étoiles qui tombent de la casse. Ouais. Non, c'est. Ouais, c'est dur quoi. Merde, je me suis gouré de touche. Oh là là, je fais n'importe quoi. Spiros m'a envoyé un petit lien, donc j'imagine que ça doit être le jeu dont il parlait tout à l'heure.
Pinball FX2 n'est pas dispo sur mobile, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, si vous aimez les flippers, Pinball FX2 c'est vraiment très très bien, quoi. D'ailleurs, faut que j'aille y jouer chez mon pote parce que j'ai vu qu'il y a une version en réalité virtuelle et il me semble qu'il a. Et ça, je pense, va être vraiment classe. J'écoute mon petit poney, mon dieu. Ah oui, mais je vois ce que c'est effectivement Devil's Crash, ouais. Ouais. Si, je vois tout à fait, ouais. Ouais, si, je me rappelle. Enfin, j'ai jamais joué, mais je sais que j'ai déjà vu des screens à l'époque, et que ça avait l'air vraiment classe. Et le loisir, c'est quoi ce. Tu m'as comme pas mis les petits. Mon petit poney, si? Ah, mais si, en plus, quoi, d'accord. Bon, bah, hop, à dégager. Bon, bah, écoutez. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Hein. Ça fait qu'une heure de live, mais bon, en même temps. Ah, ça fait le niveau là, quoi, histoire de dire. Sorti plusieurs tables en standalone en fait. Pas une FX2, mais ils ont sorti un Zen Pinball. D'accord. J'écoutais vraiment ça, mais c'est pas possible. En vrai, tu peux pas écouter ça, quoi. Pardon. Ce que je disais, c'est que même la physique, elle est pas ouf, quoi. C'est en fait, vu que la boule est super lourde, vous pouvez pas faire passer d'un flip à l'autre, en fait. Vous êtes obligé de. Vous êtes obligé de taper le haut de la table pour faire tout le tour pour passer de l'autre côté, quoi. Non! Mais une pute! Ah, je suis dégoûté. Bah, j'ai raté une étoile. T'as remis le chaudron magique, quoi. Ouais, bon. Bah, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, hein. Bon, attends, j'avais prévu un stream pas très long, mais honnêtement, je pensais que ça serait mieux. Je pensais sincèrement que ça serait mieux. Hein. J'imaginais bien que ce serait pas fou, hein, mais ouais, je m'attendais à plus de trucs quand même, quoi. Là, c'est vraiment décevant, quoi. Tu me fais pas un peu de heures. Non, non, je voulais pas streamer trop tard ce soir. Absolument, faut que je me lève pas trop tard, donc voilà. D'ailleurs, ce ratio hier ça allait. Si, la dernière fois qu'on a joué c'était cool, on a beaucoup gagné, c'était bien, ça allait. Là, on a dû perdre une fois, je crois que tout le reste on a gagné ou un truc du genre, enfin c'était cool quoi. Il a grossi ton écureuil. Il a pas grossi, c'est qu'il s'est mis à plat comme ça. Ouais, donc du coup, donc demain soir pas de stream, lundi donc HS Platch sur Drakenstone Online. Mardi donc Drifting Lands, mercredi nouvelle démo de Splasher, jeudi, je sais même plus ce que j'ai mis. J'ai tout mis sur le stream mais je sais même plus ce que j'avais mis. Si jeudi soirée Seraph, et après c'est les découvertes. Après c'est les découvertes, qu'est-ce que j'ai mis? Putain, faut que j'aille voir le planning, je m'en rappelle même plus. Ouais, Seraph jeudi. Et après, il y a un truc genre Hero Dungeon ou je sais plus comment ça s'appelle, un nom assez générique. Voilà, donc Hero Like vendredi, Cirque Infinity samedi. Et après, donc du coup, j'ai mis dimanche off. Le lundi d'après sera Titan Quest, Drifting Lands et nouvelle démo de Dimension Drive. Voilà, c'est ça. Bon, en ce moment c'est cool, j'arrive à choper des démos pour les mercredis, donc c'est plutôt pas mal vu que le mercredi je stream plus tard vu que je rentre du sport.
Ouais, ça me va bien comme ça. Du coup, ça fait lundi HS Patch, mardi Drifting Land, mercredi démo. Pour l'instant, ça passe comme ça. Je pense que ce sera démo ou early access, quand c'est early access, c'est courte. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous fais des bisous à tous. Et puis je vous dis bah, à lundi quoi, pour le troisième épisode de. Non, quatrième épisode de HS Patch. Ouais, quatrième épisode. Allez, passez une bonne nuit, passez une bonne fin de week-end. Et à lundi, et ciao!